Show we stop, we got bands. We got some crazy. Look, subscribe, like, comment. Follow my Twitter, IG, all that stuff. Cause look, I know Nono from these crazy YouTube videos. I ain't even know bro was involved like that. So yeah, I saw this, I'ma recommend it. I gotta do this one. So let's go. Getter à YouTuber, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les Getter. Wesh les sang, nouvelle vidéo. Wesh les mecs, c'est Nono. Avant j'étais getter, je suis passé de getter à youtubeur, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les getters. De base je les ai fait dans un autre quartier à Bassens, à Marseille. Ça s'est mal passé, à la première heure je me suis fait tirer dessus, moi et mon pote. Oh my god, oh look, it's too real to become a youtuber in Marseille. Daily vlogs, no, 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 stay inside. Oh my god. De getter à youtubeur, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les getters. De base, je les ai fait dans un autre quartier à Bassens, à Marseille. Ça s'est mal passé. À la première heure, je me suis fait tirer dessus, moi et mon pote. Il a pris une balle dans l'épaule. Les mecs, oh my god! Je viens de tourner ma vidéo 24 heures en tant que getter. Bro, trying to 24-hour vlog, oh my god. Mais il s'est passé un petit truc, je sais pas, il y a une voiture qui est venue, on a commencé à nous tirer dessus. J'ai pas pu tourner la vidéo, j'ai fait la campagne l'évêque. Là, j'ai pu tourner la vidéo et faire le vrai 24h dans la peau d'un guetteur. Wesh les mecs, c'est Nono. On se retrouve pour la vidéo 24h dans la peau d'un guetteur. Là, on est en immersion dans les quartiers nord, plus précisément à campagne l'évêque. Vous allez me suivre tout au long de la vidéo. I wanna do this, I was thinking about doing this, I don't wanna do this no more. Oh my god. Dans la peau d'un guetteur. Là on est en immersion dans les quartiers nord, plus précisément à campagne l'évêque. Vous allez me suivre tout au long de la vidéo. J'ai demandé aux personnes que je connaissais et ils m'ont dit que pas de problème. Enfin juste que je monte la vidéo avant de la poster. J'ai flouté des têtes et je pouvais pas filmer des endroits là. Sacoche là où on vendait. Sinon je pouvais tout filmer. Tu fais ça depuis combien de temps? Des années, c'est bien. Ça fait des années. Tu fais ça tous les jours? Tous les jours. Getter, c'est tu vas au quartier où il y a le réseau et tu te postes et tu cries quand il y a les condés, tu cries Acha. Je voulais montrer que les gens ils sont pas fiers de faire ça. Ils ont pas de sous, ils ont pas de diplôme, donc ils viennent faire leurs sous comme ils peuvent, hein, ils se débrouillent comme ils peuvent. Et la fin, tu peux faire n'importe quoi avec la fin. La fin justifie les moyens, c'est ça? Ouais. J'ai voulu montrer ce que j'ai vécu et j'ai voulu faire de la prévention aussi dans cette vidéo. Parce qu'il y en a plein qui pensent que guetter et tout c'est facile, c'est de la rigolade. Mais il y a des risques, comme mon collègue qui s'est pris une balle. Quand la police rentre au quartier, et ben que tu ne les vois pas et qu'ils vont au point de vente, tu te fais frapper. Ça va pas trop bien se passer pour toi et t'auras pas ta paye. S'il y a une guerre de territoire ou quoi, tu te prends une balle dans la tête. Hein. Ou la prison. Je fais temps plein ou mi-temps, c'est-à-dire mi-temps c'est 10h-18h à peu près. Après temps plein c'est 10h minuit et tu peux prendre de 80 jusqu'à 200. Avec cet argent j'ai aidé la maman et je m'achetais des... Stay inside though, stay inside. The money be looking nice but stay inside, yeah, 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 yeah. Don't talk about the money, please. That's how you get them, that's how you get us all, nigga. Don't talk about the money we can't make. Cause the money be looking nice, but the risk not worth it. Et tu peux prendre de 80 jusqu'à 200. Avec cet argent, j'ai aidé la maman et je m'achetais des habits. Un peu comme de l'argent de poche. Maintenant, je fais des vidéos et c'est des plus grosses sommes qui rentrent. Par exemple, le mois dernier. Bro, I did not know Nono was living like that. Did y'all know that? Did y'all know bro was in the trenches for real? I thought bro was just a YouTuber with money. Looks can... I don't know what they be saying. They be saying looks can... I don't know. All I know is I did not think bro was living in the trench. Un peu comme de l'argent de poche. Maintenant je fais des vidéos et c'est des plus grosses sommes qui rentrent. Par exemple le mois dernier j'ai gagné entre 2000 et 5000. Ça dépend si je vais sortir des vidéos ce mois-ci. Si j'en sors pas, il y a moyen que je gagne entre 500 et 1000 parce que même mes anciennes vidéos font encore des vues. Je me suis toujours dit de l'argent sale, je peux le jeter par la fenêtre, mais de l'argent propre, c'est de l'argent propre. Je peux construire des choses, faire des trucs bien, donner à des associations et tout. J'ai eu grave de la reconnaissance et ça m'a fait grave plaisir. Tous les gens autour de moi, ils étaient grave fiers de moi. Même encore dans la rue, que ce soit des jeunes, des grands,
qui me parlent de cette vidéo. Et j'ai eu des bons retours, des rappeurs qui m'ont validé, des influenceurs qui sont venus me parler. H22 qui m'a follow par la suite, il y a la F qui a validé, il y a Fianso, Zegger, Sifax qui ont partagé, il y a plein de rappeurs qui ont partagé. Par exemple, un rappeur comme Zegger, il m'a dit qu'il avait regardé ma vidéo, il m'a dit c'est grave bien parce que toi tu viens de la cité et t'es pas sorti de la cité, t'es venu montrer ce qui se passe à la cité. T'as vu quand on parle des quartiers nord dans toute la France, ils disent ouais quand tu rentres au quartier nord ça te frappe, ça peut, il y a de la violence et tout. Est-ce que ça c'est réel? Non, c'est impossible ça. Il y a des gens mauvais comme des gens bons partout en France. À la télé on parle souvent de règlement de compte, ce trafic de stup, etc. Mais on montre jamais les pères qui se lèvent, qui travaillent à 6h du matin, qui vont se casser le dos, et les mamans qui prennent les transports en commun, qui ramènent... Yeah, talk about that too. Because the way y'all be describing Marseille, it be like trenches. Yeah, talk about the good people too. Course, ça on montre jamais ça. Et même il y a des gens... Yeah, I'll never hear about the good people. Facts. I'll never hear about the good people. All I'll hear about is y'all going crazy basically. All the Kalashnikovs, all that. Qui prennent les transports en commun, qui ramènent les... Did I say it right? Kalashnikov? Did I finally get it right? Course, ça on montre jamais ça. Et même il y a des gens à la cité, ils réussissent. Moi je connais plein de gens de mon ancienne cité qui sont devenus avocats. Il y a plein de talents, il y a des futurs joueurs de foot, il y a des chanteurs. Le seul mauvais côté c'est tout ce qui est règlement de compte, guerre de territoire. Ça, c'est vrai que ça laisse beaucoup de morts. C'est vrai que la Kalashnikov elle parle beaucoup là à Marseille. I was saying it, the Kalashnikov. Yeah, y'all be using that motherfucker. Guerre de territoire. Ça... Stay inside. C'est vrai que ça laisse beaucoup de morts. C'est vrai que la Kalashnikov elle parle beaucoup là à Marseille. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Moi ça a jamais été mon but de dire aux jeunes allez guetter, allez faire ça et tout. Moi je suis tout le temps dans la prévention. T'as toujours moyen de s'en sortir par d'autres moyens. Mais après faut trouver lesquels et faut être déterminé. If you enjoyed this reaction though, hit the subscribe and like, comment down below, stay inside too. And I'm out.